Aujourd'hui, sort sur les écrans A Star Is Born, film de Bradley Cooper avec Lady Gaga. La prestation de la chanteuse y est unanimement saluée. Actrice, mais surtout chanteuse, voici comment Gaga nous a rendu fous d'elle en quatre dates. 2006, la jeune Stéphanie Germanotta écume les bars new-yorkais derrière son piano et elle a la rage de réussir. J'avais tellement confiance en moi, j'enfonçais toutes les portes pour avoir des concerts et je m'incrustais derrière chaque piano des bars new-yorkais. Akon, star du R&B, la repère. Il est le premier à croire en elle et la signe sur son label. Stéphanie devient Lady Gaga. 2008, c'est la sortie de son premier album, The Fame, avec les tubes Paparazzi ou encore Poker Face. Tout réussit à Gaga. Just Dance, qu'elle écrit en 30 minutes un lendemain de fête, est devenu un classique. Pour l'album The Fame, Gaga a reçu 6 Grammy Awards et il s'est vendu à 12 millions d'exemplaires dans le monde. En 2010, Lady Gaga publie un duo avec Beyoncé, le titre Téléphone. Cette chanson a été initialement composée par Gaga pour Britney Spears, qu'il a refusée. Téléphone se vend à près de 4 millions d'exemplaires et consacre définitivement Gaga comme reine de la pop. A noter que ce clip de Téléphone est un hommage à Quentin Tarantino et au film Pulp Fiction. 2014, après 3 albums pop et au sommet de sa gloire, Gaga surprend et publie un album sans artifice en duo avec le crooner Tony Bennett. Le monde découvre alors une artiste sans phare à la voix d'or. And black's white today. And